Salut! On se retrouve pour une nouvelle ouverture! Une ouverture de Pokémon, ça faisait super longtemps, je suis très content et excité à la fois. Parce qu'en plus, vous allez voir, on va vous ouvrir un truc très cool, et on s'est même pas présenté. Moi, c'est Saran. Oui, et moi, c'est Sandar. Bah oui, sur la S-Family, on se présente parce qu'on est tellement qu'on ne sait plus. Il y a des guests tout le temps, donc on ne sait plus. Des guests, hein, pas des gays. Des gays guests. Bah, des fois, il y a des gays guests aussi. Ouais, bon, ouais. On vous dira pas qui. Qu'est-ce qu'on vous ouvre? Eh ben, on vous ouvre le coffret Evolution Turbo Arcana, qui est immense. On se rend peut-être pas bien compte parce qu'on n'a pas de comparaison avec un autre. Dedans, on va découvrir ça ensemble, mais on a beaucoup de turbo promo, dont une Jumbo Turbo, ce qui est assez rare. Et on a 5 boosters, et donc j'en ai prévu un autre de plus pour que ce soit équitable, puisqu'on fait encore des ouvertures à 2, c'est un espèce de duel, comme je vous le rappelle, c'est-à-dire que celui qui a la meilleure pioche, il a gagné. Et donc du coup, comme c'est moi qui commence, parce que Sandar a dit « Mais non, c'est Saran !» Et ben, je vais déballer ce truc, et je galère. Mais non, c'est bon, ça le fait. Et donc, comme d'habitude, ça se présente dans un truc plastique rigide. On va commencer par la Jumbo, franchement, y a rien à dire. C'est un Arcana en plus, donc ça fait super plaisir. C'est ce que je me disais. C'est cool que ce soit Arcana. Bah ouais, c'est clair. Alors, c'est un coffret exclusif Micromania, donc ils ont bien fait le choix de leur personnage. Alors, je sais pas comment ça se passe qu'il y a des coffrets exclusifs comme ça. S'il y a des réunions de crise en disant quel Pokémon on prend, quel Pokémon représente le mieux notre magasin, Arcana, je sais pas. Ça peut être sympa à exposer en plus dans ce sens-là, dans un petit paysage, cadre. Paysage, du coup, ouais. Exactement. C'est la promo XY 180. On a les boosters. Donc, on a 2 boosters Soleil-Lune, un Solgaleo et un Lugarok. Ensuite, on a 2 boosters Evolution qui est notre série préférée à tous les deux. Une Dresseur Full Art, une Dresseur Full Art. La pierre. Ouais. Putain, ça serait bien. Et en plus, c'est cool, c'est 2 Florizarre, donc il n'y a pas de choix à avoir, à part que tu choisis lequel tu veux. On a un booster Offensive Vapeur, donc là, c'est le Gardevoir. Et du coup, j'ai sorti de mes petits tiroirs un petit booster sous blister de Offensive Vapeur, toujours. Et c'est le petit Xerneas Turbo. Je vais commencer par vous montrer les turbos. Donc, forcément, le Arcanin Turbo, je vous le mets dans ce sens-là. Hein. Bon, ça change pas grand-chose. Vous tournez la tête à 180 degrés, non, 90 plutôt, parce que 180, ça fait mal au cou. Ouais. Vous tournez la tête à 90 degrés et vous pouvez le voir. Et vous arrêtez de m'emmerder. Merci. Ensuite, le Vaututrice Turbo. Alors, très très belle aussi. C'est un Vaututrice, c'est classe quoi. Et là, ma préférée, la Nostanfer Turbo. Ouais. Alors, ma préférée en plus, parce que je trouve que le Pokémon n'occupe pas beaucoup de place sur la carte. Exact. Donc, on voit bien tout l'effet derrière un peu métallisé quoi. Et je trouve ça super classe. XY 181, XY 182 et XY 180 pour le Arcanin. Donc, ils c'est sont bien, déjà 180 promos. Pour XY, ouais. Et c'est des promos XY. Hein. Malgré qu'on ait des lunes soleil dans le coffret, ça reste des promos XY. Je te souhaite bonne chance. Merci. Alors, je vous le dis d'avant, je vais commencer par Offensive Vapeur. Gardevoir, souhaite-moi bonne chance. 1, 2, 3. 1, 2. Cloptier-Lienso qu'on connaît. Tarinor, pareil, qui est une de mes cartes préférées, vous le savez maintenant. Wistikram, super sympa. Offensive Vapeur, le rouage est là, hein, comme d'habitude. Le petit Miaouz, trop classe. Ranivol, l'illustration trop chou qui vole et puis qui est tout en petite illustration trop mignonne. Anorith. Le Fossil Griffe, Anoris, justement. Pifeuille, ah, j'adore. J'aime bien la petite illustration, elle est super chouette. Oh, Tarinor en reverse, du coup. Bah, pourquoi pas. Pour toi. Et ensuite, la 51 sur 114, la rare, ou pas. Une simple rare, toute simple. Ok, bon, c'est du Offensive Vapeur. Une simple rare pour moi, premier booster. En plus, tout ça rime, ça fait plaisir. On continue avec Evolution et on prie pour avoir la pierre foulard. Ce serait vraiment bien. Un sac de nœuds, Voltorb, Énergie Fée. Bon, je les passe assez vite, hein, c'est des cartes qu'on connaît. Hein. Oui. Onyx, Staristari, Reptincelle. Là, une des cartes exclusives du coup à Evolution, hein, le lien spirituel Dracaufeu. La Super Potion, Aspico en reverse, ok. La 29 sur 108, Lamantine, simple rare, dis donc. Aurais-tu bien choisi tes boosters? Et on finit du coup avec le Soleil Lune Gardien Ascendant. Donc en plus, c'est la dernière extension de Soleil Lune. Donc là, c'est un 2, 3, 4, 1, 2. On commence avec un Nounourson, un des Pokémon emblématiques hein, de cette nouvelle génération. Le Pokémon qui évolue en Chelours et qui va aider la Team Rocket tout le temps. Qui transporte la Team Rocket. Exactement, quand elle s'envole vers d'autres cieux. Oh, Wellmer, trop cool. Machoc, toutes ces cartes, je pense qu'on les avait hein, pour l'instant. Ah, sauf Kipour l'avait pas. Oh, BBK est sympa. La petite énergie acier. Ténéfix. Mesmerella, le nettoyage de terrain ou souffleur de feuilles pour les intimes. Ah, Thiboudet en reverse. On l'avait pas, hein. Non. Ça me dit rien du tout. La 5 sur 145, je crois que j'ai pas de chance du tout. Fragilady en simple rare. C'est pour la fête du slip, hein. C'est pas génial. Donc moi, j'ai pas grand chose, on peut le dire. Donc, même rien du tout. J'espère que toi, tu vas avoir plus de chance et que ce coffret Evolution Turbo Arcanin sera un peu plus chanceux, effectivement. Pas trop décevant, comme tu le dis. À toi. On switch. Ok. À toi, à toi, à toi, à toi. Je veux voir. Offensive Vapeur avec ton Xerneas Turbo. Ouais, on commence avec un Cradopo, le Moustillon, la petite Marie, le Coucou Oh Oh, Ponyta, Funessir. Oh, elle est cool celle-là. Plic, Mélancolux, Lux, Colux. Colux. Guriaigle. Guerrier-aigle. Oh, Volcanion en reverse. Je crois que c'est une Holo Reverse, mais je ne suis pas sûr. Oh, ça serait cool. Et Pharampe. Holo. Mais on l'avait déjà.
déjà. Ah putain, cool. T'as eu une auto. J'étais déjà battu. C'est pas mal du tout. Mais j'aimerais bien que t'aies une ultra, s'il te plaît. Sinon, ce putain de truc est nul. Surtout que le holo que tu viens d'avoir, on l'a eu quand même dans le Xerneas qui ne fait pas partie du coffret. Évolution. On commence avec une énergie. C'est bizarre de commencer avec une énergie. Une petite Starry. Soporifique. Electek. Aspico. La carte dresseur rappel. Ouh. Détermination d'Ondine. Ah, je crois pas qu'on l'avait. Franchement, ça me dit rien. Ouais. Donc, plutôt cool. En plus, on a une belle illustration d'Ondine. Ouais, ouais, j'adore Ondine. Smogo. Oh. River 67 rat attaque en rare toute simple. Ah là 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 là, aucun booster pour l'instant du coffret, n'a de l'eau ni rien. Est-ce que ton sol Galéo, légendaire de soleil, va te porter chance? J'espère. Une ultra, pitié. Il n'y a pas que les ultras qui nous intéressent, vous voyez, mais il n'y a que ça qui nous manque maintenant dans la collection. C'est surtout ça, ouais. Au début, on est content de choper des holos ou des simples rares ou des belles illustrations, mais maintenant on les a toutes. Bacabou, Spododo, Mimantis, Arakdo, Caninos, l'énergie fée, Escroc. Go, énergie multicolore, Chrysapile, Topiqueur d'Alola. Sympa en reverse. En reverse, c'est cool. Le type acier est très joli hein, en reverse. J'aime beaucoup. Allez, dis-moi que t'as quelque chose. Oh, il y a quelque chose. La 27 sur 149. Alors, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Percussion, protection du tigre, machin, feu. Ça, c'est cool. C'est beau, ça fait plaisir. Évolution de mon starter. Elle est magnifique. C'est pas une full art, donc voilà. Mais t'as vu là le côté brillant dans les yeux là, c'est... Et puis la gueule qu'il a. Ah, ça c'est cool. Bien pour la collection. Ça fait plaisir. Bien, bon. Je la mets sous pochette. Vas-y. Oui, merci. Ouf. Ouais, heureusement. Une ultra sur 5 boosters. Ouais, c'est la moyenne. Ok. On a déjà chopé l'archiduc en GX comme ça. Il nous manque du coup la Oratoria. Ce serait plutôt cool qu'on la trouve. Ce serait sympa. Comme ça, on aurait les 3 starters évolution maximum en GX. Mais on les a pas en full art. Bon, bah j'espère que cette ouverture vous aura plu quand même, hein, malgré le peu de chance, hein, comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe avec nous. Ouais, on a très peu de chance. Deux ensemble, ça marche pas trop. Je t'ai laminé. Ah bah clairement oui. Là, il y a rien à dire. Hein. C'est pas genre, dites-nous dans les commentaires qui a gagné. Là, elle a gagné. Laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous soutiendra, ça fera plaisir. Ouais. Un petit commentaire, comme d'habitude. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que déjà vous louperez rien, parce que c'est gratuit et parce que nous, on est bientôt au 1000. Eh ouais. On sera vraiment content. C'est clair. On vous fait plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye. À plus dans le bus de Chrysapile.